C'est pas connu en tant que sport. Un sport qui possède pourtant. Salut les filles, bah écoutez, j'avais commencé une vidéo dans ma salle de bain avec mon appareil photo, seulement les bah il s'est déchargé et je m'étais pas rendu compte que la batterie était aussi faible que ça, donc voilà, ça c'est un peu la suite. Donc j'applique le mélange d'après shampoing et de bicarbonate de soude et là j'ai démêlé mes cheveux. Donc je vais laisser poser 10 minutes et ensuite je vais aller rincer les cheveux et appliquer mon masque de le Hair Mayonnaise de Organic Roots que je vais laisser poser pendant que je ferai tout mon ménage et tout, comme ça il aura le temps de bien pénétrer dans les cheveux. Donc comme je disais dans la précédente vidéo, pendant que vous appliquez votre après-shampoing ou votre shampoing et tout, vos boucles doivent absolument se redéfinir. Ça prouve que vous hydratez bien les cheveux. Si elles ne se redéfinissent pas, faudrait peut-être penser à changer de produit, je pense. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous laisse parce que je vais aller rincer tout ça. J'en ai marre de mettre. Je crois que je suis en train de mettre du produit un peu partout. Donc voilà quoi. Ok, passez une bonne soirée. Voilà, donc voici mes cheveux. Donc après les avoir bien démêlés et tout, et avoir rincé donc, le mélange d'après-shampoing et de bicarbonate de soude. Là, je vais donc aller dans ma salle de bain parce que mon appareil photo est déchargé, donc vous ne pourrez pas voir comment est-ce que j'applique le masque. Je ne vais rien y rajouter parce qu'on va éviter le trop-plein de protéines quand même, vu que je fais maintenant un masque toutes les semaines. On va dire que je vais rajouter des œufs dans le Hair Mayonnaise. Donc je vais juste appliquer le Hair Mayonnaise et je vais mettre un film plastique autour de la tête et je vais rester comme ça pendant des heures en pliant mon linge comme une bonne petite femme de maison. Donc voilà mon afro. Bien démêlé, sans nœud, avec des cheveux qui bouclent, enfin au niveau des boucles que j'ai pas cassées avec le peigne, parce que j'ai repassé le peigne afro à l'intérieur après la brosse. Donc voilà, ils sont un peu secs là, parce que d'habitude quand mes cheveux sortent du shampoing, ils sont beaucoup plus doux. Mais là ils sont secs et je vais donc mettre le masque pour pouvoir les hydrater. Voilà, donc à tout à l'heure. Kikou les filles, bah écoutez voilà, voici donc enfin le résultat après le masque et tout. Donc mes cheveux sont ultra doux, au final j'ai gardé le masque Organic Roots toute la nuit et j'ai rincé mes cheveux juste le matin et ensuite j'ai appliqué la crème Garnier ultra doux à l'huile d'avocat et beurre de karité, je sais pas quoi là. Donc voilà, mes cheveux sont tout doux et je me suis coiffée, donc ça c'est ma coiffure du jour. J'ai fait une espèce de coiffe avec un mini monticule là, comme ça, enfin bref, voilà quoi, un peu surélevé. Voilà, j'ai passé toute la journée comme ça et puis voilà, mes cheveux sont très très doux. Donc ce soir, il va falloir bien évidemment hydrater et faire des nattes avant de dormir. J'ai pas démêlé mes cheveux une fois que j'ai eu rincé le masque. Parce que, étant donné que j'avais déjà bien démêlé pendant le shampoing, bah, j'ai pas éprouvé le besoin de démêler encore une fois de plus. Donc voilà. Donc ça, c'est ma petite tête. Donc c'est un petit look que vous pouvez faire très 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 rapidement. Il se fait en 5 minutes. Voilà. Vous faites une couette, vous prenez une portion de cheveux que vous gardez devant ou vous l'attachez avec un chichi. Vous faites votre couette. Vous arrangez tout bien correctement. Et ensuite, vous prenez une pince. Et vous faites votre petit monticule et puis voilà. Et vous avez une coiffure pour toute la journée. Donc j'ai été travailler comme ça. Donc ne vous dites surtout pas que les filles avec les cheveux crépus ne peuvent pas aller au travail. C'est le contraire qui se produit. Et voilà, j'estime que ma coiffure n'est pas trop moche. Enfin, voilà quoi. Vous avez le droit de dire que c'est moche, hein. Franchement, je ne vous en voudrais. Mais alors là, absolument pas du tout. Enfin bref, voilà. Donc je vous souhaite de passer une très 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 bonne soirée et puis bah je vous dis à bientôt. Salut !